avait, on était parti pour faire beaucoup de jeux, pour essayer d'avoir des intentions. On a réussi à traverser, mais souvent le dernier geste était compliqué. On fait la faisait à l'avant des pertes de balles. Donc on n'a pas réussi à marquer, notamment début de match. Puis c'est vrai qu'il a fallu être à 14 pour marquer coup sur coup et développer ce match-là. Donc voilà, on a gagné. On aurait aimé faire une deuxième mi-temps un peu plus aboutie, mais bon, voilà, c'est une victoire. Il nous a fallu absolument pour remonter un peu au classement. Donc c'est... Il n'y avait pas le feu proprement dit au lac, parce que sur les 6 premières journées, vous étiez déplacé 4 fois. Ouais. Mais il y avait quand même une mauvaise série avec. On a la sensation, une digestion difficile de ce fameux match de complètement fou à Tarbes. Là. Oui, à Tarbes, c'est vrai que ce match nous fait beaucoup de mal, parce qu'on gagne plus de 30 points en demi-heure de la fin, donc on le perd. Donc dans les têtes, c'était un peu dur à repartir, puis on perd la semaine après, on perd ici contre Béziers. Voilà, donc cette année, on perdait à Gênes, donc c'est vrai que c'était une série un peu compliquée. Voilà, on ne savait pas trop où on était, et voilà, c'était un match compliqué, enfin, un derby en plus ici, donc voilà, face à les Montabanais qui étaient venus ici aussi pour faire un gros match. Donc voilà, on prend 4 points, c'était bien pour le moral. Perso, comment ça va? Des soucis physiques un peu sur le début là, et là ça a l'air d'aller là? Ouais, ça va de mieux en mieux. J'ai joué 40 minutes à Gênes, j'ai joué 60 minutes, donc ça va. Bon, avec la victoire, ça va mieux. Voilà, en espérant que les points physiques soient passés, comme maintenant, j'achète les matchs. Parce que Colombie-Montauban, c'est non seulement un derby, mais un derby qui, il n'y a pas si longtemps, était à l'étage au-dessus. Quoi. Ah oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai. vous l'avez vécu comment collectivement et puis toi, perso? Parce que Montauban, tu commences à connaître la maison quand même aussi. Ouais, ben, j'ai souvent à Saint-Pierre. Là, voilà, je sais que ça va être, le tour va être compliqué dans la cuvette. Voilà, c'est une équipe qui a fait un bon début de saison, notamment à domicile, avec des gros matchs. Voilà, donc c'est, on l'a vu aujourd'hui, hein, c'est une équipe qui lâche rien, qui joue jusqu'au bout. Il y a des qualités offensives intéressantes. Donc voilà, c'est bien d'avoir gagné contre eux. Les supporters qui lâchent rien non plus. Ah ben, on savait qu'il y aurait beaucoup de verres ici. On était prévenus, on savait que c'est un supporter qui se passe beaucoup. Voilà, on a réussi à gagner. Donc, vous êtes toujours à zéro au classement britannique, donc il n'y a pas le feu. Hein. La victoire à Mont-de-Marsan, la défaite à Béziers ici. Contre Béziers ici. La prochaine échéance, c'est à l'extérieur. À Dax, on va. Voilà. Sont Massy, donc c'est voilà, des équipes qui vont se battre avec nous jusqu'au bout, donc c'est un match hyper important. Donc voilà, maintenant on a gagné, il faut se reconcentrer, essayer de refaire le même type de match la semaine prochaine et la prochaine, puisqu'on a un week-end.